Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu essaies de comprendre? Et puis, est-ce que ces simulations, est-ce que c'est toi qui les fais? Est-ce que tu les utilises d'autres équipes qui les génèrent? Parce que c'est quand même des très gros travaux, ça demande beaucoup de ressources, peut-être que tu nous en parleras. Et puis, est-ce que peut-être tu compares à des observations? Est-ce que tu regardes, je sais pas, la matière noire, ce qui se passe juste après le Big Bang, les galaxies, parce que l'univers est vaste et vieux, donc voilà. Ce que je cherche, c'est une description plus complète de l'univers et notamment des structures qui s'appellent les filaments cosmiques. Donc un filament cosmique, c'est en gros un pan de matière qui relie deux amas de galaxies. Donc les amas de galaxies, c'est les structures les plus denses de l'univers. Et en fait, on pense que plus de 50% de la matière totale dans l'univers est dans ces filaments cosmiques. Mais le gros problème, c'est qu'ils sont très durs à observer parce que le gaz autour des filaments est très diffus. Et c'est pour ça que moi, j'étudie les simulations numériques pour mieux comprendre ces filaments.